Oui. Les maladies, des couches de nuit pendant plus de 20 ans. Bon, maintenant, Si je n'avais donne-moi aussi le témoignage des couches de nuit là-même. Tu avais donné le témoignage que tu avais les couches de nuit pendant 20 ans. Et quand tu m'as rencontré, qu'est-ce qui s'est passé après la prière? Voilà. Les couches de nuit étaient comment? Les couches de nuit étaient que il y avait de toutes les couleurs. Deux fois, je voyais les gens. Deux fois, je voyais pas les gens, mais je le sentais à moi-même la journée comme ça là. Je sentais qu'il y avait quelqu'un qui me touchait. Prophète, pardonnez-moi, j'ai été même excitée. Deux fois, moi-même, je partais même trouver les hommes. Jusqu'à la première fois que j'avais eu une grâce, c'est quand j'ai vu Jésus lui-même venir de loin, où je vous avais raconté que j'avais vu les sacs de riz qui tombaient à droite et à gauche. Et c'est le même jour-là qu'on m'avait volé le porte-monnaie. Et Jésus a pris la personne qui était au-dessus de moi et il m'a soulevé. Et il a soulevé la personne, il l'a jetée derrière. Et je me suis levée. Et au moment où j'étais concentrée sur la personne qui me délivrait du violeur, c'est là où quelqu'un d'autre, un petit monsieur, m'a arraché le porte-monnaie. Oui. Donc, entre-temps, je voyais toujours. Je fais le jeûne, je vais voir les prophètes, je vais voir les pasteurs, je vais voir les évangélistes. Pareil, ça peut durer une semaine, je suis contente, je prie, et ça revient fort, 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 fort. Et quand je vous ai appelé, vous avez prié pour moi et vous m'avez béni d'huile. Je ne faisais que manger avec de l'huile, mais je ne faisais pas autre chose. Et puis un jour, j'ai entendu une dame qui avait fait le témoignage qu'il fallait mettre l'huile tout le corps. Et puis dans la chambre, j'ai mis l'huile dans la chambre avec la main. J'ai mis sur le bord de mon lit, les meubles, le chevet du lit, j'ai mis l'huile sur ma commode qui est dans ma chambre. Et je mets l'huile où j'ai les poils entre mes jambes. Je mets l'huile derrière, entre les fesses, entre mes jambes. Je mets l'huile tout sur mon visage et la bouche. Je frotte sur mon ventre et les bras. Tous les soirs, c'est ce que je fais. Alors que même si je faisais ça, c'était rien. Ça pouvait durer un jour. Et depuis, ça va bientôt faire 5 mois que je vous ai appelé. C'est presque fin janvier. Oui. Oui, ça va faire, oui, à peu près 4 mois. Donc, dès que j'ai commencé à le faire, jusqu'à aujourd'hui, je pense que je l'ai vu peut-être 2 ou 3 fois, pas plus. Mais il n'y a plus de violence où la personne venait, même les grosseurs étaient même comme moi. Je peux dire que je voyais même des grosseurs comme un bras. Franchement, je suis ton mari. Je dis non, mon mari est décédé, c'est pas toi mon mari. Donc, jusqu'à ce que j'ai vu, on me dit ton mari est fâché après toi. C'était la semaine dernière, l'avant-dernier jeûne que j'avais fait, parce que j'ai fait le jeûne le mercredi. Et j'ai fait le jeûne le mercredi parce que depuis que 14 jours qu'on avait arrêté de jeûner. Donc j'ai fait tous les mercredis le jeûne. Et une dame vient me dire, toi, ton mari est fâché après toi. Depuis que tu fais les jeûnes là, tu ne nourris plus ton mari. Il dit que tu ne fais plus à manger, il est fâché après toi. Et moi je dis, mon mari est fâché après moi comment? Si mon mari est fâché après moi, je vais aller faire les courses pour lui faire à manger. Et j'appelle Arnaud. Je dis, Arnaud, oui, maman, écoute, dis à mon mari que je m'en vais acheter la nourriture pour lui donner à manger. Et c'est là où je me suis réveillée. Ok, ça c'est le C'est là où songe. je me suis réveillée. Et je t'avais donné l'explication de ce songe. Je t'avais dit, normalement ton mari est déjà décédé. Donc la personne qui vient te dire que ton mari est fâché contre toi parce que tu ne lui donnes plus à manger là, ce sont les démons. Et ton mari qui est fâché contre toi, si dans le spirituel, c'est ton mari de nuit. Est-ce que tu comprends? C'est ton mari spirituel. Donc c'est lui qui te faisait les couches de nuit.
Tu vois un peu. Voilà. Et maintenant, depuis que tu as commencé les jeûnes et les prières, et comme on avait prié et tout ça, il voit qu'il n'a plus accès de toi. C'est-à-dire la nourriture dont il demande, dont tu ne lui donnes plus, c'est le sexe. Oui. Tu comprends maintenant? Voilà. Voilà, il dit, ton mari, le démon, un autre démon vient te dire, ton mari est fâché contre toi parce que tu ne lui donnes plus à manger. Tu vois, il te dit ça, la nourriture dont tu ne lui donnes plus, si c'est le sexe, parce que Dieu t'a séparé de lui. Donc, comme on avait prié là, si tu te rappelles, j'avais brisé ce lien qu'il y avait entre toi et le mari de nuit au nom de Jésus. Tu te rappelles? Voilà, voilà, oui, oui. Voilà, donc, c'est à cause de cette prière, tu vois, qui vient dire que il est fâché contre toi parce que tu ne lui donnes plus à manger, c'est-à-dire parce qu'il ne va plus, il ne part plus avec toi, quoi. C'est-à-dire, il ne vient plus te faire des attouchements ou alors des rapports sexuels, des couches de nuit et tout ça. Donc, il n'a plus cette possibilité-là, tu vois. Voilà pourquoi dans le songe, Dieu te montre l'état de son esprit, l'état de ce mari de nuit, comment il a été vaincu et comment il est déçu. Justement. Voilà. Mm-hmm. Ton mari est déçu de toi. Il est fâché parce que tu ne lui donnes plus à manger. Voilà. Depuis que tu fais le jeûne là, avec ton jeûne là, depuis que tu le fais, ton mari est déçu de toi. Tu vois, les gens. Que tu ne lui donnes plus à manger. Voilà, les gens qui négligent le jeûne. Tu vois, vraiment, dans le jeûne, ils sont. Donc, lui-même, le diable reconnaît que le jeûne a une puissance face à lui. Tu comprends? A une puissance contre lui, a une autorité contre lui. Même le diable reconnaît. Amen. Tu vois, donc, amen. Dans le songe, dans le rêve, il te dit que depuis que tu jeûnes, tu ne lui donnes plus à manger. Tu vois, oui. Tu vois, amen. Oh, amen. Normalement, ton mari est déjà décédé depuis. Donc, ça, c'est le mari de nuit. C'est lui qui se plaignait. Et je prie encore au nom de Jésus que cette alliance avec Dieu soit scellée au nom de Jésus. Que ce mari de nuit soit définitivement brisé par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, après 20 ans, voilà, de mari de nuit, le Seigneur te délivre. Dieu est bon ou pas? Non, dis-moi toi-même, Dieu est bon ou pas? Oh. Dieu est bon, mais voilà. C'est un puissant, fort, majestueux. Voilà. Tu ne savais, depuis 20 ans que tu souffres du mari de nuit, tu ne savais même pas que Dieu tu... C'est-à-dire, tu étais déjà habitué même avec ça? Non, en fait. Je n'étais pas habitué. En fait, quand j'ai dit tu étais habitué, ça veut dire qu'il t'avait déjà habitué à leur rythme, quoi. C'est-à-dire que tu ne croyais plus à une délivrance possible. Je croyais. Ah, ok. Je disais toujours que Père éternel, toute chose a une fin. Amen. J'espère que le jour de ma mort, je n'aurai plus toute cette souffrance. Amen. Voilà ce que je disais à Dieu. Amen. Tu as quel âge maintenant? Tu as quel âge maintenant? On vient de fêter mon anniversaire là, prophète. Combien? 69. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est gloire à Jésus. J'ai 69 ans. Non, wow. Ça va. Dieu va encore ajouter. Depuis que je suis rentré dans votre couverture, sous votre couverture, depuis que je suis dedans, je suis bien. Waouh, amen. Le Dieu, le prophète Lionel du ciel. Il me protège. Amen. Je n'ai jamais été, je vous le dis franchement, et je vous l'ai toujours dit, Dieu m'aime beaucoup. Amen. Depuis que je suis née, en dehors de mon mari lui-même, personne ne m'a jamais payé le billet de train, aller-retour, et me payé l'hôtel 4 étoiles. Waouh. Ça, c'est vraiment la main de Dieu. Ça, c'est vraiment la main de Dieu. La carte bancaire qui reste à sa place. Waouh. Waouh. Waouh, waouh, ça c'est vraiment la main de Dieu. Vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, hein? Que Dieu te bénisse. Merci, heureuse. Amen.